There's beauty and power in simplicity. But here's the thing. Doing business today is anything but simple. For leading brands, complexity is on the rise. And that's where Pega comes in. We build software for crushing business complexity. We're not afraid to take on the hard stuff. From quick fixes to big changes and everything in between, we help you maximize value with personalized, relevant customer engagement. Solve problems faster with streamlined customer service. And boost efficiency with intelligent automation. Pega simplifies your technology from the center out, one customer journey at a time. So you can get work done, get results, get ready for what's next, and save customers and employees time so they can get back to what matters most. Ready to crush complexity? Let's get started. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue. Nous sommes dans un talk Parole à la jeunesse spécial Guinée. Nous sommes aujourd'hui dans un moment d'échange avec la jeunesse de Guinée. Nous avons aujourd'hui affaire à Westaf, la team Westaf. Parole à la jeunesse Guinée, vous le voyez. Focus sur la Guinée, nous allons... Alors, l'objectif, c'est de parler avec un jeune de Guinée, lui donner la parole, écouter son parcours, son histoire, ses projets, l'écouter sur son rapport au numérique et éventuellement avoir des recommandations sur ce que ce jeune a comme opinion sur l'approche qui serait utile pour qu'on fasse du numérique un vecteur de développement dans son pays. Alors, avant de vous présenter le jeune avec lequel nous avons échangé ce soir, qui a quelques problèmes de connexion, donc nous attendons, Guinée, quelques problèmes de connexion, je vais me présenter Douglas Miandou, donc président de l'association 10 000 codeurs. Je suis ingénieur de formation, 20 ans d'expérience en informatique, 5 ans comme salarié, 15 ans comme entrepreneur dans le secteur de la formation professionnelle. J'ai choisi de donner du sens à ma carrière en devenant un repère pour la jeunesse africaine à travers 10 000 codeurs. Vous vous demandez ce que c'est que 10 000 codeurs? Regardez de la part de Sitim Shangama. Regardez la vidéo de présentation de 10 000 codeurs. 10 000 codeurs est une association qui a pour objectif d'acculturer en sensibilisant la jeunesse au numérique, de l'orienter et de l'insérer dans les métiers du numérique. Donc la jeunesse africaine, la jeunesse française, la jeunesse des différents pays qui est une jeunesse qui est invisible, qui a envie d'être visible, qui veut faire partie de la marche du monde, qui a envie de se développer dans un domaine dans lequel effectivement il y a pas mal d'opportunités. Trois étapes avec 10 000 codeurs. La première, découvrir le numérique. La deuxième, apprendre un métier. Et la troisième, décrocher un emploi. Et en fait, c'est une mission que nous menons avec les grandes sœurs et les grands frères du réseau 10 000 codeurs, qui sont des professionnels expérimentés dans leur secteur d'activité, qui partagent les valeurs ainsi que la vision de 10 000 codeurs de faire de la jeunesse invisible l'industrie mondiale, le poumon de l'industrie mondiale du numérique. On veut vraiment que l'industrie mondiale du numérique soit avec ces jeunes qui aujourd'hui sont invisibles, qui aujourd'hui n'ont pas eu l'opportunité de pouvoir être acculturés au numérique, être accompagnés sur les postures, le développement personnel, les fondamentaux sur l'entrepreneuriat. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir les accompagner via nos expertises à obtenir le passeport numérique. Vous allez me dire, mais c'est quoi le passeport numérique? Alors, le passeport numérique, effectivement, vous pouvez l'obtenir après avoir passé un test écrit. Il faut une note de 80% au moins de bonnes réponses. Ensuite, un test oral dans lequel on vérifie que vous avez bien été acculturé. On vérifie que vous avez les bonnes postures. On vérifie aussi votre niveau d'anglais. Et ça nous permet de pouvoir vous proposer une formation dans le métier que vous aurez choisi. Et ça, c'est très important. Il faut savoir que nous, on va vous informer sur les métiers, sur les usages, sur les technologies du numérique. Et ça va vous permettre de pouvoir choisir le métier dans lequel vous avez envie de vous orienter,
pour qu'on puisse ensemble passer à l'étape 2 et vous former pour que vous puissiez être inséré dans les entreprises, notamment qui nous sont partenaires, mais aussi dans celles qui font partie de l'écosystème numérique. D'ailleurs, je tiens à faire un petit coucou, un gros remerciement à Autodesk et à Pega qui nous accompagnent pour tout ce qui est logistique de cette première étape, qu'on puisse être avec vous ce soir. Voilà, c'est quelques informations sur effectivement 10 000 codeurs. Alors, notre invité n'est toujours pas là. Je pense qu'il y a un petit souci de réseau du côté de la Guinée. Hein. Donc, on est en direct. Hein. Donc, on fait un petit peu avec les réalités aussi du pays. Je rappelle que nous sommes dans un talk et j'attends Moussa Kamara qui doit effectivement nous donner quelques informations sur lui, sur son rapport au numérique et puis ses contraintes, son parcours, sa formation. Nous sommes en partenariat avec Guinée Buzz ainsi que K-Concept, d'accord, Retic, Objis, sur ce talk. Alors, je vais quand même vous donner quelques informations sur la Guinée. Et oui, parce que l'objectif, c'est aussi de découvrir la Guinée, c'est aussi de découvrir un pays. J'ai 8 informations à vous donner sur la Guinée. Première information, c'est le drapeau. Non, une dizaine d'informations, 10 infos. Première information, c'est le drapeau. Voilà le drapeau de la Guinée. Deuxième information au niveau de la carte. Est-ce que vous savez où se trouve la Guinée? Deuxième information au niveau de la carte. Regardez, c'est un pays, d'accord, de l'Afrique de l'Ouest. Voilà maintenant troisième information, un peu plus précisément les pays limitrophes. Vous voyez que vous avez la Guinée-Bissau, le Sénégal, le Mali, d'accord. Il y a la Côte d'Ivoire, d'accord. Vous voyez aussi le Libéria. Vous voyez la Sierra Leone. Et puis, je crois que c'est bon. Alors ça, c'est troisième info. Quatrième info maintenant, au niveau, si je vous demande par hasard au niveau de la Guinée, quelle est la population? La population de la Guinée, d'accord? La population de la Guinée, voilà, oui, 13 millions d'habitants. C'est aussi culturel, hein, 10 000 codeurs, c'est pas que la tech, hein, hein. Autre information, si je vous pose la question au niveau de la Guinée, quelle est la densité de la population? Densité de la population, 53 personnes par kilomètre carré. Donc, c'est un grand pays. Hein. Donc, pour vous donner la RDC, c'est 45 habitants par kilomètre carré. Donc, c'est un pays. Autre information, la population urbaine, vous voyez, c'est 32%. Donc, c'est intéressant parce que contrairement à d'autres pays, on a à peu près 50-50. Là, on a 32% de la population qui est urbaine. Donc, en fait, on a une grande partie de la population qui est en zone rurale. Alors, question, la langue officielle maintenant. La langue officielle, ou les langues officielles, hop, voilà, c'est le français. Donc, en Guinée, il y a une langue officielle, c'est le français. Mais maintenant, si on demande un petit peu au niveau de la population, les différentes ethnies, alors majoritairement, hein, parce qu'il y en a beaucoup plus, mais les principaux groupes ethniques, vous avez les Peuls, vous avez les Malinkés, et vous avez les Soussous, d'accord? Maintenant, la question au niveau économie. On peut se poser la question au niveau économie. Bon, quelles sont les richesses du pays? Quel est le secteur principal? Eh bien, là, c'est assez clair. D'accord? C'est les mines. Voilà. Vous entendrez souvent des gens qui vous disent « Je fais des affaires dans les mines en Guinée. » Donc, 26% du PIB, hein, c'est très important, 26% du PIB, c'est au niveau des mines. Donc, voilà. Vous voyez, en fait, une dizaine d'informations. Parce que c'est ça aussi le... C'est ça aussi Jimmy Coder, c'est de l'information culturelle sur les réalités du pays. Alors, je vois que notre invité n'est toujours pas là, donc je m'inquiète un petit peu, hein, mais c'est pas grave, notre ami Kamara. Hé, Kamara, ton problème c'est quoi? Tu as un problème avec moi? Kamara. Oh, bon, peut-être qu'il y a des problèmes de réseau. Bon, c'est pas grave. Si on l'a pas aujourd'hui, c'est pas grave, on l'aura une autre fois. On voulait vous montrer aussi une autre cartographie de la Guinée. Regardez, la façon dont la Guinée est positionnée, hein, en termes de province, d'accord. Vous avez la Guinée, la basse Guinée, vous avez la moyenne Guinée, vous avez la haute Guinée et vous avez la Guinée forestière. Donc, on demandera à notre ami
ben, de quelle région il est originaire. Et voilà, c'était les questions qu'on voulait lui poser. Bon, malheureusement, il n'est pas là. L'occasion pour moi, quand même, de vous rappeler que ce que nous faisons avec le passeport, d'accord, le passeport d'Immicodeur, c'est vraiment une volonté pour nous de façon inclusive, de permettre à n'importe quel jeune, finalement, d'avoir cette chance, entre guillemets, de pouvoir mettre en évidence que le jeune est déterminé. Ça, c'est très, très important. Alors, vous avez entendu tout à l'heure, donc je ne reviendrai pas forcément sur le déroulé du passeport, mais je voudrais attirer votre attention sur l'orientation. Vous voyez, aujourd'hui, les jeunes de Guinée en particulier, mais les jeunes d'Afrique, ils ne savent pas ce que le numérique peut faire pour eux. Donc, vous voyez, là, vous avez par exemple plusieurs métiers. Et ces différents métiers, ben, les jeunes ne les connaissent pas. D'accord ? Voilà. Vous avez vu, est-ce qu'un jeune aujourd'hui de Guinée sait ce que c'est qu'un social media manager ? Ce que c'est qu'un architecte ? Ce que c'est qu'un scrum master ? Ce que c'est qu'un concepteur ? Ce que c'est qu'un UI designer ? Ce que c'est qu'un content manager ? Ils ne le savent pas. Pourtant, et l'objectif pour nous, c'est de susciter des vocations à travers les webinaires. Donc, 19h tous les soirs, on présente les métiers, on parle à un jeune, d'accord ? Et à 20h, comme ce soir à 20h, il y aura la partie développement personnel. Vous voyez, regardez, nous sommes la première semaine du mois de mars et nous aurons développement personnel juste après ce talk sur la Guinée. J'attire votre attention sur le fait que là, c'est un lien qui est très important aujourd'hui chez d'Immicodeur, c'est ce lien-là. C'est le lien qui permet de découvrir les métiers du numérique. Alors, si vous êtes en train de nous regarder et que vous vous posez des questions sur votre avenir, que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez faire, voici l'URL, voici le lien qu'il faut connaître. On va vous le balancer. Oui, salut Jean-Pierre. Voilà, Jean-Pierre, salutations à tous ceux qui sont avec nous. Hein. Vous n'êtes pas que de la Guinée, vous êtes du Bénin, vous êtes du Togo. Je vois que vous êtes aussi de la RDC. Donc voilà, vous êtes de différents pays. Et vous voyez que là, vous en avez un petit peu pour tout le monde. Alors, pas encore tous les pays, mais vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes au niveau de la Guinée. Aujourd'hui, nous sommes le 2, mercredi 2. Vous voyez que hier, c'était du côté du Bénin et que demain, ce sera du côté de la Côte d'Ivoire et après-demain, du côté du Sénégal, avec à chaque fois quelque chose qui se fait trop rarement pour nous, la possibilité de donner la parole à des jeunes. Et oui, c'est très rare. Hein. Moi, je m'en suis rendu compte. Hein. C'est très, très rare de donner la parole à des jeunes. Parce que, bon, bah, malheureusement, les jeunes, on en parle beaucoup, mais il n'y a pas grand monde qui s'intéresse à eux, en fait. Je me suis rendu compte de ça. C'est un peu bizarre. Pourtant, c'est les jeunes qui constituent l'avenir de demain, que ce soit en France, que ce soit dans tous les pays d'Afrique, dans l'océan Indien. Bah, ce sont les jeunes qui font... qui prépare l'avenir. Donc, c'est important pour nous de donner la parole à cette jeunesse. Voilà, on vient de balancer le lien sur les métiers du numérique. Donc, n'hésitez pas, c'est très, très, très important. Alors, l'occasion pour moi, parce que notre ami n'est pas là, hein, donc on ne va pas forcément durer. Donc, comme il n'est pas là, simplement l'occasion pour moi de vous dire que voilà la façon dont nous avons classifié les métiers du numérique. Nous, pour nous, il y a trois grands types de métiers dans le numérique et on les représente avec ce triangle pour l'instant. Et nous considérons que les métiers du numérique, pour ceux qui nous suivent, bah, il faut savoir que tous les métiers du numérique ne sont pas que de la technique. Hein, parce que j'entends des fois des gens qui disent « oui, le numérique, c'est tech, c'est pas pour moi ». En fait, c'est faux. Nous sommes là pour déconstruire des idées reçues. Nous sommes là pour vous donner en fait de l'information sur ce qui est possible. Et d'après nous, et vous le verrez si vous allez sur ce site, d'accord ? Et ben en fait, on vous explique justement comment vous allez pouvoir identifier potentiellement le métier qui vous intéresse. Et je vais en profiter, je vais partager mon écran pour vous montrer un peu comment est-ce que nous aidons à orienter. D'accord ? Comment est-ce que nous aidons à orienter ? Et aussi, vous, maintenant, si vous avez l'information, vous allez pouvoir dire à vos amis, à votre entourage,
que l'association Dimi Codeur propose une technique pour vous aider à diagnostiquer le métier qui pourra être votre futur métier. Si vous avez fait des études de lettres, si vous avez fait des études d'économie, si vous avez fait des études de droit, c'est possible pour vous de vous mettre dans un métier du numérique. Tout à fait. Si vous n'avez jamais fait d'informatique, c'est possible pour vous de vous mettre dans un métier du numérique. Et je vais essayer de vous montrer pourquoi. Alors, je rappelle que nous sommes dans un webinaire, nous sommes dans un talk guinéen, mais notre ami guinéen n'est pas là. Hein ? Ouais, non ? Donc, notre ami guinéen n'est pas là. Donc, j'essaie de vous donner une information qui, j'espère, sera utile pour que vous puissiez un petit peu vous orienter. D'accord ? Donc, je partage mon écran. Voilà, je vais partager mon écran et je vais vous montrer un petit peu ce que vous allez pouvoir voir si vous suivez le lien que nous vous avons présenté sur les métiers du numérique. Voilà, ça se présente plutôt comme ça. Voilà. Donc, si vous arrivez sur notre site, alors ce ne sera peut-être pas la même forme hein, parce que le site va évoluer. Mais vous voyez que le triangle dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous le retrouvez ici, d'accord, sur la droite, avec en bas la partie idée, donc ce sont des métiers qui concernent l'idée d'un projet. Ensuite, une fois que l'idée a été bien élaborée et que les experts vous ont accompagné pour spécifier le projet, pour écrire le projet, pour identifier les fonctionnalités, l'organisation du projet, il va y avoir maintenant, il faut faire. D'accord ? Donc ça, c'est les premiers métiers, c'est les métiers en fait au début du projet. Ce sont les métiers qui concernent l'accompagnement pour élaborer, en fait, préciser le projet. Donc là, vous avez des exemples de projets. Si vous entendez des projets, si vous entendez des métiers comme business designer, business analyst, business architect, user experience designer, user interface designer, chef de projet AMOA, etc., ce sont des projets qui vont intervenir très tôt. Ce sont des métiers, pardon, qui vont intervenir très tôt dans le projet. Et on a essayé de faire une petite classification de ces projets-là. Voilà, vous avez des projets qui concernent ce qu'on appelle la maîtrise d'ouvrage, si vous entendez ce terme-là. Vous avez des projets qui concernent le design et des projets qui concernent le processus de développement. Alors, nous sommes là pour vous démystifier un petit peu tout ça. Bon, maintenant, parmi vous, si vous aimez faire des réunions avec des clients, si vous aimez faire des réunions, des comptes rendus, si vous aimez aider les personnes à s'exprimer sur ce qu'elles ont en fait envie de faire. Parce que des fois, vous avez une idée, mais en fait, c'est pas évident de l'exprimer. Donc, il y a des gens qui sont spécialisés, qui vont faire des interviews, qui vont faire... avec l'agilité, on va faire des dessins sur un tableau, on va mettre en place des modèles et des processus. Après, vous avez des projets qui sont des métiers qui concernent la tech. Donc là, vraiment, c'est clair. Il faut coder, il faut concevoir, il faut développer, il faut tester. Et il faut déployer le service pour le mettre en production. Là, vous avez de nouveaux métiers, vous voyez ici hein, les métiers. Et ces métiers-là, ce sont des métiers, si vous entendez des métiers comme développeur no-code, développeur blockchain, développeur data, développeur mobile, développeur front-end, développeur back-end, développeur full-stack, développeur DevOps. Si vous entendez métiers comme data scientist, data engineer, bon, tout ça, ce sont des métiers dans lesquels il va quand même falloir mettre les mains dans le cambouis. Il y a aussi l'équipe de test, testeurs junior, testeurs confirmés, analystes, etc., etc. Ce sont des testeurs. Donc, on va tester que les fonctionnalités qui ont été élaborées dans la première étape, la phase idée, sont vraiment réussies. Vous avez ce qu'on appelle les concepteurs, les architectes logiciels, les architectes cloud, architectes système d'information. Vous avez les administrateurs système et réseau, les administrateurs sécurité, les administrateurs base de données. Vous avez les spécialistes en sécurité, les administrateurs sécurité, les auditeurs, les analystes cybersécurité, etc., etc. Voilà, tout ça, ce sont des métiers qui concernent cette fois-ci la phase de tech. Il faut faire. Et puis, une fois que le produit maintenant existe, il est disponible pour le grand public, il est accessible pour les utilisateurs finaux, maintenant, il va falloir de faire connaître le produit et puis d'avoir un maximum d'utilisateurs et puis les fidéliser et puis les créer des communautés. C'est là qu'interviennent les métiers du marketing. Voilà. Donc là, vous avez des métiers comme les métiers de community manager, des métiers de social media manager, des métiers de content stratégiste, des métiers de référenceur web,
des métiers de chef de projet digital, des métiers de gros hackers, des gros managers, de digital analystes. Voilà, c'est une classification de projets que nous sommes en train d'élaborer petit à petit. Et c'est important pour nous de savoir aussi si les choses sont claires pour vous. Et si c'est clair pour vous, merci Stéphane Coffey. Voilà, donc effectivement, Stéphane Coffey, tu l'as dit. Stéphane Coffey qui est un ambassadeur de 10 000 codeurs, qui a son passeport et aujourd'hui que nous valorisons. Merci Stéphane. Oui, tout le monde aujourd'hui peut évoluer dans les métiers du numérique. Voilà, ça c'est très 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 important. Donc si vous avez des personnes qui savent bien s'exprimer, des personnes qui savent écouter, des personnes qui savent valoriser, des personnes qui savent... Vous avez chacun à sa place. Voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus. Alors, si vous êtes... Alors, peut-être on va en profiter avant de partir, puisque notre ami guinéen n'est pas là. Vous avez vu que nous on a essayé. Hein. On a essayé, mais notre ami guinéen n'est pas là. Est-ce que l'un d'entre vous veut venir en plateau? Parce que nous aussi, on aime bien partager, on n'aime pas seulement... on n'aime pas seulement parler. Hein. Oui, je le rappelle, 54 millions de passeports numériques. Donc là, je viens de balancer le lien du studio. On a encore 15 petites minutes. Si éventuellement l'un d'entre vous, je pense à Jean-Pierre, qui nous a dit salut la communauté, je pense à Jean Apôtre, je vois qu'il commence à nous suivre un peu. Hein. Donc Jean Apôtre, si tu veux venir, tu seras le bienvenu. Je pense bien sûr à Stéphane Coffey, tu seras le bienvenu. D'ailleurs, les ambassadeurs, déjà, ils sont déjà toujours les bienvenus. Ça, déjà, c'est clair et net. Quand tu es ambassadeur d'Unicodeur, là où on est, là, tu es là. Tu es même priorisé. Alors, j'en profite pour vous dire que par rapport à ces métiers, bah, nous, notre travail, c'est de vous mettre en face des professionnels. Je vous donne un exemple. On a eu à recevoir en plateau des professionnels de la multinationale Pega, d'accord ? Et les professionnels de la multinationale Pega, eh ben, ils sont venus présenter leur métier. Voilà, vous avez Imen qui est venu présenter son métier de business architect. Vous avez Alex qui est venu nous présenter son métier de UX designer. Et vous voyez que là, ce sont des métiers qui interviennent en amont du projet. D'accord ? Ensuite, une fois que maintenant, il faut mettre les mains dans le cambouis, vous avez... pour la phase tech, des métiers comme effectivement de UI designer avec Peter en haut à gauche ici, au milieu. Et puis, vous avez William qui a également eu l'occasion de venir. Donc, vous voyez, c'est assez simple. Notre travail, nous, c'est de vous vulgariser, de vous mettre devant vous des professionnels qui savent de quoi ils parlent et qui vont peut-être vous inspirer et faire déclencher chez vous l'envie de rejoindre tel ou tel métier. D'ailleurs, j'aimerais bien vous entendre. Alors, les amis qui sont avec nous, là, Jean-Pierre, toi, tu veux faire quoi, Jean-Pierre, hein? Jean-Pierre, j'aimerais bien savoir, par exemple, ce qu'il veut faire. J'apprends que notre invité se connecte. Ah, vraiment, là, vraiment, notre ami guinéen, là, Camara. D'accord, donc nous, on t'attend, hein? C'est pas grave. Donc Jean-Pierre vient, Jean Apôtre, n'hésite pas à venir aussi en studio. J'aimerais bien savoir, vous qui nous suivez, quel est le métier que vous souhaitez faire, ou bien quel est le métier que vous exercez peut-être déjà. Vous pouvez devenir une lumière vous aussi pour les jeunes qui nous écoutent, parce que nous sommes un peu le pont, hein, nous sommes un peu la passerelle. Ah, je crois que notre invité est là. Attention, studio. On fait apparaître notre invité. Notre invité, je vous le rappelle, il s'appelle Monsieur Camara, plus précisément Moussa Camara. Moussa Camara. Ah, Moussa. Moussa, tu es là? Allô? Allô, le son. Ah. Bonsoir Moussa. Bonsoir Mal. Alors, on ne le capte pas très bien. Oui, comment ça va? Moussa, tu m'entends?
Ah, on a un petit souci avec notre ami. Je vais On a un d'abord. petit Vous me souci. recevez? Ah oui, là c'est bon. De réseau. Bonsoir Moussa. Ouais. OK. Allô, Moussa, tu oui. m'entends? Ça va pas toujours. Oui, je vous Aïe, 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 je crois qu'on reçois. a... Ah, très bien. Moussa, est-ce que tu peux te présenter? Allô? Ça va. Est-ce que tu peux te présenter? Aïe, aïe, aïe. Là, vraiment, l'ennemi est puissant. L'ennemi ne veut pas qu'on discute avec M. Moussa Camara. L'ennemi est en train de nous Ça dire qu'il va nous va pas. apprivoiser. Place. Bon. Moussa, je pense qu'on va laisser hein, pour ce soir. C'est pas grave. Je vois que tu as des problèmes de connexion. Entre-temps, il y a Asiati qui nous dit bonsoir, je souhaite créer une application culinaire. Ça, c'est intéressant. Voilà un exemple de besoin qui tombe. Et ce sera intéressant de savoir Oui. si qui pourrait aider Vous me notre recevez ami maintenant? Asiati. Ah oui, là, c'est bon. Et toi, tu m'entends? Oui, là, je t'ai reçu là. Moussa, il faut que tu m'aides à écraser l'ennemi. Hein. Bon, Moussa, petit souci avec Moussa. Bon, ce ne sera pas pour ce soir. Désolé. On va. Ah, Stéphane, on a Stéphane Koffi qui est avec nous. Mais Stéphane, on te voit pas. Hein. Je crois que tu as un problème avec ton. Tu as un problème, Stéphane, avec ton micro. On n'arrive pas à te faire entrer en studio. Ah, là, je crois que c'est bon. La régie, on peut faire entrer notre appareil, Stéphane. Oui, Stéphane, ça va? Bonsoir à tout le monde, je vais bien. Bonsoir, monsieur. Ah, voilà, on voit que le réseau de la Côte d'Ivoire, c'est pas le réseau de la Guinée qu'on a créé, hein. Vraiment, quand les gens nous ont dit Effectivement. qu'en Côte d'Ivoire, il y a des infrastructures, c'est ça qu'on nous a dit depuis. Ça, c'est vrai, hein? C'est vrai, Ouais. Comment tu vas, Stéphane? Je vais bien. Je vais bien par la grâce de Dieu. Bon, ça, c'est super. On a aussi Moussa qui est toujours là, qui essaie d'être avec nous. Alors, je rappelle que effectivement, la régie nous montre la vidéo, la photo de Stéphane Koffi. Stéphane, c'est un brave garçon de Côte d'Ivoire qui a un potentiel qui est très important et qui fait partie de ces jeunes qui ont eu qui ont le passeport numérique et qui, pour nous, sont une lumière pour les autres jeunes. Parce qu'en réalité, l'histoire de passeport, là, ce n'est pas simplement qu'on a un jeune et puis bon, on le valide. Non, c'est que ce jeune devient lui-même une lumière pour les jeunes, pour les autres jeunes. Alors, Stéphane, tu nous as dit tout à l'heure que tu as apprécié la clarté de l'explication sur les métiers. Qu'est-ce que tu en as pensé, en fait, concrètement? Alors, je pense que ça va beaucoup aider mes jeunes frères qui sont encore derrière, qui ne savent pas beaucoup de quoi s'agit-il quand on parle de numérique. Je pense que Oui. lorsqu'ils vont tomber sur cette page, ils vont pouvoir comprendre un peu quels sont les vrais métiers du numérique et les différents niveaux qu'il y a afin de pouvoir se retrouver parmi ces métiers-là et puis choisir leur chemin, en fait. Absolument. En tout cas, c'est vraiment l'objectif. Est-ce qu'autour de toi, tu as des gens qui seraient intéressés pour avoir justement accès à ce type d'informations? Exactement. Et on reçoit de plus en plus de messages, des invitations sur LinkedIn, des gens qui veulent Oui. en savoir plus sur 10 000 codeurs et les métiers du numérique. Nous essayons d'apporter
le plus d'explications possibles et puis les aider à pouvoir décrocher leur passeport. Tout à fait. Et toi, de ton côté, bon, c'est vrai qu'il y a donc, n'hésite pas à leur donner ce lien, hein. Voilà, c'est un peu Exactement. l'objectif. Parce qu'on a compris qu'il y a un vrai problème d'orientation. On a un vrai problème d'orientation, que les gens soient au collège, que les gens soient au lycée, que les gens soient en enseignement supérieur. Les gens ne savent pas comment faire du numérique un vecteur d'insertion. Tu es d'accord? Oui, parfaitement d'accord. Bon, alors, est-ce qu'on a notre ami Camara? Moussa? Aïe, 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 Moussa, on ne l'a pas aujourd'hui. Allô? Allô, Moussa, tu m'entends? Allô? Moussa, tu m'entends? Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est pas grave. Malheureusement, je pense que Moussa, on aura l'occasion de faire une autre vidéo avec toi. On va rapidement continuer avec Stéphane. Stéphane, tu dis que les gens se connectent sur Internet, c'est ça, avec toi? C'est ça? Sur toi? Sur Oui, ton profil? oui. Alors, Oui, les amis, oui. comme on est en direct, là, on va aller sur le profil de Stéphane Coffee. Parce que nous, là, on est des gens concrets, hein. Stéphane, tu vas pouvoir nous faire un témoignage, D'accord. finalement, par rapport à ce que tu dis là. Aujourd'hui, tu es étudiant en développement d'applications. Mais Stéphane, je suis sur ton profil LinkedIn, là, mais je vois que tu as plus de 500 connexions. Et je suis à 900 abonnés. Non, mon petit, tu vas nous expliquer ça. Tu vas nous expliquer comment tu fais pour avoir plus de 900 abonnés alors que tu es étudiant en Côte d'Ivoire, et quel a été l'impact de Jimmy Kodo dans ton affaire là? Pardon, faut nous dire. Effectivement, j'ai créé le compte après avoir obtenu le passeport numérique. Bon, juste Oui. avant. Hein. Oui. Et il y avait des informations qui manquaient en fait. Et grâce à l'aide de notre grand frère, le community manager de 10 000 codeurs, le grand frère Maurice Ntongi, non Ntongi, Oui. excusez-moi, Oui. qui nous a aidé un peu par rapport au remplissage, même si ce n'est pas encore au complet. Je vois que après avoir rempli les informations nécessaires, j'ai vu Oui. beaucoup de gens qui se connectaient et des personnes qui consultaient de plus en plus le profil. Et vraiment beaucoup de demandes d'invitations. Je vois des gens du Bénin, du Cameroun qui veulent chercher des informations. Et bon, je pense que c'est aussi mes commentaires que j'apporte sur les publications de 10 000 codeurs. Et à travers là-bas, les gens passent par là-bas pour consulter un peu mon compte et puis Excellent, avoir des excellent. informations. Non, mais je vois que tu as des gens, ça. Hey, tu as fait quoi avec tout ça, mon Stéphane, mon grand? Alors, moi, je te pose une question aussi. Donc, ça fait combien de temps que tu as créé ton compte, alors, du coup, concrètement? Disons 4 mois. 4 mois. Waouh, waouh. Les amis, vous avez entendu, hein? Est-ce que vous avez entendu? Ça fait 4 mois que Stéphane a créé son compte sur LinkedIn. Et aujourd'hui, il a plus de 900 personnes qui finalement le suivent, en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais ça, c'est super intéressant. Ça veut. Hey! Mon petit. Hey, mon petit, tu vois ce que je vois? C'est-à-dire que même le premier ministre de la Côte d'Ivoire, Exact. ce n'est pas possible. Non, mais toi, tu es en train de percer, hein? Et faut pas nous oublier, hein? Non, non, là, il faut dire la vérité, parce que les jeunes, là. Stéphane Coffi, faut pas nous oublier, hein, quand tu vas voir dans les histoires du. Tu vas entrer dans les grandes sphères là, du pouvoir de la Côte d'Ivoire. Faut pas nous oublier, hein? Nous, on est là, hein? C'est bien noté. C'est grâce à vous aussi, je suis con. Alors, j'en profite pour dire que oui, nous, on est très fiers de toi. Et je rappelle à nos amis que pour l'instant, notre ami Stéphane Coffi, il n'a que le passeport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le cadre de l'accompagnement d'Imi Codeur, il a fini l'étape 1. Est-ce que vous vous rendez compte? Là, actuellement, il va démarrer l'étape 2. C'est l'étape où, en fait, nous allons chercher des financements pour sa formation.
C'est très important de comprendre ça parce que les gens voient que nous, c'est du concret. Et donc, vous comprenez tous qu'il n'a, avec le, uniquement le passeport, ça génère de l'attractivité. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui devient attractif. Les gens s'intéressent à lui. Et à partir de là, ça génère en fait de la visibilité pour lui. Et ça, c'est très, très, très bon pour lui parce que plus tard, lorsqu'il aura vraiment les compétences à la fin de l'étape 2, mais vous vous rendez compte que pour décrocher l'emploi, ce sera facile. Est-ce que tu sens ça toi aussi? Oui, oui. Il Alors, faut clairement signaler. Ouais, LinkedIn, c'est assez merveilleux parce que j'ai pu m'entourer des personnes de mon domaine qui est la data. Et j'ai beaucoup de ressources qui me permettent d'apprendre, en fait. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui partagent des manières de faire qui vont vous permettre d'apprendre déjà les bases de votre métier avant même la formation. Et c'est vraiment intéressant. Ah, donc tu as trouvé des gens qui se sont intéressés à toi aussi et avec qui tu peux échanger au niveau de la data. Exactement. Il y a des gens avec qui j'échange, je pose des questions par rapport à des manières de faire, des pratiques qui m'aident en fait. D'accord. Alors, on a un internaute là qui nous dit, donc Kwame Jules Priva, il nous dit à quand l'ouverture d'Abidjan? Ah, mon grand, nous, on ne fonctionne plus comme ça, hein? Nous, on n'est plus dans l'histoire de on attend d'ouvrir dans un pays. C'est fini, ça. Nous, on ne fonctionne plus comme ça. Tu as ton frère ici qui s'appelle donc Stéphane Kofi. Stéphane. Voilà. Donc, ton frère Stéphane Kofi, tu vas le contacter sur LinkedIn ou tu vas le contacter sur LinkedIn. Voilà. D'accord? Il y a quelqu'un qui te dit, Stéphane Kofi, ne m'oublie pas aussi. Hé, hey, Stéphane Kofi. Hé, tu commences à dire, la notoriété va te tuer. Ah, tu es. Donc, tu vois comment tu deviens une personnalité comme ça? Exactement. Et oui, Stéphane, c'est parce que nous, on t'a repéré, on ne va pas te lâcher. Parce que tu es quelqu'un de bien. Merci. Tu es quelqu'un qui a des compétences, qui a un potentiel. Attention, parce que je vois qu'il y a notre ami Moussa Camara qui est là. Moussa, tu es là? Aïe, 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 aïe. Moussa, là, vraiment, petit souci encore d'Internet. Donc, tu sais, en fait, ce que je voudrais te dire, vous voyez que voilà comment tu as un frère. Donc, il faut que tu te mettes en relation avec Jules Priva, Kwame, hein, Stéphane. D'accord. Voilà. Lui, là, il dit, et à quand l'ouverture d'Abidjan? Nous, on ne fonctionne pas comme ça. Genre, on ouvre dans un pays, on ouvre dans un pays. Non, c'est fini, ça. Eh oui, Floris! Ah! Floris Kofi de Toucher. Ah! Floris Kofi de Toucher. C'est notre ami de Toucher. Oui. Donc, oui, Toucher, qui est un partenaire stratégique de Jimmy Coder. Hein. Donc, les amis, ceux qui nous suivent, là, je vous invite à créer votre compte sur Toucher. D'ailleurs, on mettra un petit peu la vidéo de Toucher tout à l'heure. Ça pour dire, les amis, que nous avons ici un jeune de Côte d'Ivoire qui avant était invisible, était inaudible. C'était un no-name. Pour faire simple, c'était un no-name. C'est pas une question de... Mais maintenant, il nous a prouvé à nous qu'il est quelqu'un d'intéressant parce qu'il a décroché son passeport. Ça, c'est la vérité. Ce qui fait qu'on a même fait une affiche pour lui comme ça. Vous voyez, le voici. Même sa photo, il a changé. Choco, mignon, là, propre. Vous voyez, Choco, bien, photo, professionnel. Et puis maintenant, on l'a entouré de deux experts de la data. Ce qui fait que maintenant, les gens voient qu'il est en train de percer. Et c'est pour ça qu'il devient attractif. Et il n'a pas encore reçu la formation. Il recevra la formation avant la fin 2022, s'il plaît à Dieu, si on arrive à trouver des financements. Mais même là déjà, il est déjà attractif parce que son LinkedIn est déjà à plus de 500 connexions en moins de 4 mois. Ça veut dire la preuve que les gens suivent Jimmy Coder et les gens suivent les personnes que Jimmy Coder met en valeur. C'est pas ça, Stéphane? Exactement. Est-ce que tu pourrais nous dire parmi toutes les connexions, là, est-ce qu'il y en a combien qui sont de la data, qui est le domaine qui t'intéresse? Il y en a quoi? Il y en a 5, il y en a 10, il y en a une vingtaine? Il y en a beaucoup. Enfin, je me suis dit qu'il fallait m'intéresser beaucoup à des personnes qui partagent la même passion que moi, c'est-à-dire des personnes qui évoluent. Ok. Des personnes qui évoluent dans mon domaine pour pouvoir avoir le plus d'informations possibles et assez variées pour pouvoir les comparer et tirer le maximum d'informations, de meilleures informations et puis apprendre, pouvoir mieux apprendre en fait. Et donc, il y en a tellement de personnes qui évoluent dans la data. Il y a des personnes qui passent des certifications à qui je demande comment il faut obtenir les certificats. Des personnes qui me conseillent par où il faut commencer. Excellent. Et puis, bon,
enfin. Non, les amis, je vous remontre encore, hein, parce que moi, j'ai vu quelque chose là. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais moi, j'ai vu quelque chose là. Attends. Les gens, peut-être que les gens vont croire que moi, je suis fou. Hein. Regardez-moi ce que j'ai vu. Je ne sais pas si vous voyez. Même en régie, là, il faut me dire. Hein. J'ai vu quelque chose. Il a une relation puissante ici dans son réseau. Ou bien il voulait nous cacher ça, je ne sais pas. Voilà, regardez. Regardez. Voilà. Ça, là. Moi, je ne dis même pas son nom, hein, parce que même c'est les renseignements généraux de la Côte d'Ivoire qui vont tomber sur moi. On va dire que oui, tout ça, qu'est-ce qui se passe? Tu es en relation avec une haute autorité, hein? Oui. Ah non, mais ça, c'est super intéressant. Ah oui, je vois que tu es en relation aussi avec Philemon. Philemon, c'est une valeur sûre, c'est un ancien de Jimmy Coder. Oui. Et aussi la grande. La grande sœur Nabounou aussi. Oui, Nabounou. Il y a Imen, c'est super. Imen oui, de Pega. Il y a également le ministre du numérique en Côte d'Ivoire. Adam, je crois. Mais attends, tu sais que ça veut dire que toi, tu as des relations que moi, je n'ai pas. Enfin. Donc, tu as décidé d'avoir des relations que moi, je n'ai pas. Donc, tu... Ah non, mais mon vieux, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, c'est super. Donc, pour te dire que tu es en train de travailler ton relationnel, et ton relationnel, c'est très, très important. Parce que lorsque ce beau monde va savoir maintenant que tu as été formé, mais je t'assure, ton LinkedIn va être saturé. Merci, monsieur. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont demandé déjà, est-ce qu'il y a des entreprises qui se sont un peu approchées de toi en disant que nous, on est là, hein, quand tu seras prêt là, nous, on est là. Je vois des gens qui envoient des messages pour savoir qu'est-ce que je fais au juste. Enfin, on veut savoir si je suis... je me dis qu'on veut savoir si je suis vraiment formé pour me proposer telle ou telle chose. Et là, pour l'instant... Mais tu sais que ça ne va pas manquer. Hein. Il faut te préparer. Hein. Parce que tu sais, ici, là, il y a les mercenaires et les chasseurs de tête. Les gens qui n'attendent que ça. Tu sais, il y a des gens qui n'attendent que ça. C'est-à-dire qu'eux, d'habitude, on les paye pour qu'ils prouvent des personnes. Oui. Tu vois, non? Bon, avec Jimmy Coder, maintenant, lui, il voit que on peut lui amener des gens tout chauds comme ça, tout frais, choco, mignon, propre, déjà préparé, et puis compétent. Mais on ne va pas te laisser. Est-ce que tu vois? Ça dit, lui, il veut savoir s'il peut t'exploiter tout de suite, quoi. Tu vois, non? Oui. En gros, c'est ça. Et c'est bien. Mais mon petit, tu m'as dépassé, hein, vraiment, comme Fatou dit là. Donc, les relations que j'ai vues là, c'est vraiment vrai. Hein? Oui. En tout cas, c'est bien, ça te rend fort. Bon, les amis, on va se donner le mot de la fin. Donc, quel serait ton mot de la fin, cher Stéphane? Alors, j'appelle tous mes frères à s'intéresser de plus en plus au numérique parce que c'est le présent et aussi le futur. On ne cesse de répéter. Personne ne peut se passer du numérique aujourd'hui. J'invite tout le monde à avoir son passeport et puis nous rejoindre pour que nous puissions faire de notre continent et particulièrement notre pays le meilleur dans le numérique. Excellent. Alors, il y a Jean-Apôtre qui nous dit qu'il se bat pour avoir le passeport. Il a le test. Mais Jean-Apôtre, je t'ai donné le lien du studio, tu n'es pas venu. Ton problème, c'est quoi? Alors, Jean-Apôtre. Quand on est ambassadeur, on essaie de d'abandonner certaines habitudes. Enfin, je veux dire. Quand on est ambassadeur. Quand on est ambassadeur, on n'est plus timide. Enfin, on essaie de ne plus être timide et puis répondre quand on a besoin. Non, mais en tout cas, c'est bien, Jean-Apôtre. On te souhaite vraiment du beaucoup de courage là, parce que tu as déjà l'écrit. Hein. Donc là, il est presque avec nous là. Donc, tu as l'écrit, c'est déjà bien parce que ce n'est pas évident d'avoir l'écrit. Tu peux nous rappeler, toi, combien de temps ça t'a pris pour avoir l'écrit, Stéphane? L'écrit. Oui, moi, j'ai pris le temps de travailler une semaine. Enfin, sur les une semaine, je bossais sur chaque question. Et puis, au bout d'une semaine, j'ai pu remplir tout et puis réviser pour pouvoir balancer la réponse. Super. OK. Ah oui, Jean-Apôtre, il était en section. Il n'avait pas suivi. Ok, ça marche. Bon, Jean-Apôtre, est-ce que tu peux nous rejoindre là pour l'instant ou bien c'est un peu compliqué? Bon, je pense que ça va être compliqué. Hein. Exactement. Bon, en tout cas, merci à toi, Stéphane.
Bonne continuation, d'accord? Merci à Continue vous. à travailler sur LinkedIn. Je vois que je vois que tu es bon. Tu fais des commentaires, tu participes. Donc, ça génère la curiosité aussi des gens. Et Exactement. tes posts aussi sont bien, ils sont bienveillants, ils sont objectifs, ils sont intéressants. Donc, Merci. bonne continuation à toi. Bye Merci à vous. Bye bye. bye. Bye bye. Alors, on va faire un dernier essai avec Moussa. Moussa. Allô, Moussa? Allô? Non, ce sera pour la prochaine fois. Bonne soirée à vous tous, bonne continuation. Rappelez-vous le passeport numérique. On va remettre on va remettre là l'adresse du passeport. Passez votre passeport numérique, 10 000 codeurs, et devenez une lumière pour la jeunesse. D'accord? Voilà, passeport numérique, 10 000 codeurs.com/passeport. Trouvez le métier à travers l'autre lien qu'on vous a donné. D'accord, qui vous aide à trouver le métier. Vous avez éventuellement un outil de diagnostic sur les métiers. Et soyez prêts pour les projets ambitieux et soyez prêts à saisir les opportunités du numérique. Bye bye! On vous laisse avec nos amis de développement personnel. Tout de suite là, développement personnel, c'est tout de suite maintenant là. Il est 20 h. Découvrez TooShare, la nouvelle plateforme qui va révolutionner le secteur de la formation en Afrique. Une interface innovante, unique et pratique qui regroupe à la fois social media et digital learning pour apprendre sans limite. Rejoignez gratuitement TooShare, le premier réseau social éducatif africain, et formez-vous grâce au contenu des meilleurs formateurs et des plus grandes écoles, quel que soit votre domaine ou votre passion. Participez à des quiz, des classes virtuelles et interagissez avec des experts. Repérez votre future école ou votre prochaine formation en ligne et abonnez-vous à vos pages préférées. Agrandissez votre communauté et donnez un coup de pouce à votre carrière. Suivez, likez, mais surtout apprenez sur TooShare.com. Avec TooShare.